Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars. On est toujours en direct d'Atlanta. Je me suis assis parce que là je suis fatigué mon ami. Eh ouais, donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. J'ai mis des petits ruisseaux, j'espère que ça ne va pas gêner le micro. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment se faire de l'argent de poche? Je vais partager avec toi 7 astuces pour pouvoir faire de l'argent de poche. D'accord? Donc première astuce pour pouvoir faire de l'argent de poche, c'est simplement de proposer ses services sur 5€.com. Par exemple, si tu es bon en orthographe, eh ben, tu peux relire par exemple les textes des gens. Hein, par exemple moi, hein, parce que je suis super nul en orthographe. Tu peux proposer d'enregistrer des textes audio, par exemple, il y a des gens qui écrivent des textes et qui aimeraient se faire relire. Tu peux proposer de faire des miniatures Facebook ou YouTube, par exemple, si jamais tu sais faire. Tu peux aussi proposer de rédiger les articles. Voilà, donc en fait, va sur 5€.com, d'accord. Je te mettrai le lien de 5€.com juste en dessous. Tu vas, tu regardes un petit peu peut-être déjà les compétences qui existent déjà et tu pourras pouvoir t'en inspirer pour pouvoir aussi proposer des choses pour pouvoir aider les gens. De toute façon, dans tous les cas, sache que pour pouvoir faire de l'argent, il va falloir que tu apportes de la valeur, que tu aides les gens à faire quelque chose et en échange, ils vont te donner de l'argent. L'argent, c'est juste un échange de valeur. Deuxième astuce pour pouvoir faire de l'argent de poche, c'est Udemy. J'en parle dans une autre vidéo où là, tu peux partager en fait des compétences que tu as. Donc, c'est différent de 5€.com. Là, c'est plus, par exemple, si jamais tu es un bon photographe, tu peux partager les techniques que tu utilises sur une formation en ligne, par exemple, sur un format de formation en ligne, pour pouvoir aider les gens qui vont acheter ta formation en ligne, pour pouvoir les aider à faire des bonnes photos, par exemple. Il y a aussi, j'ai vu qu'il y a des gens qui apprennent à comment dessiner. Tu vois, il y a des gens qui expliquent comment être un développeur. Il y a énormément de choses, même comment faire des gâteaux. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en format en ligne. D'accord? De formation en ligne et donc sur Udemy tu vas pouvoir mettre ta formation en ligne et les gens qui vont acheter bah du coup tu vas toucher un pourcentage sur les ventes ainsi que Udemy. Donc je te mettrai le lien aussi juste en dessous. Troisième astuce, bah, le classique, c'est le babysitting. Ah bah ouais les gars, même si vous êtes des gars, les gars, vous pouvez faire du babysitting ou pas? Tu veux faire de l'argent de poche ou pas? Donc pareil, je te mettrai un lien si jamais tu es intéressé pour pouvoir faire du babysitting. Ouais, c'est de l'argent aussi, hein. C'est comme ça qu'on se fait un peu d'argent de poche. De toute façon, c'est des astuces, c'est pas pour devenir millionnaire là, c'est pour pouvoir faire de l'argent de poche. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est Uber ou Uber Eats. Bon, évidemment, faut que tu aies ton permis. Et encore, je crois que Uber Eats, il y a des gens qui utilisent le vélo. Donc après, ça dépend. Déjà, Uber et Uber Eats, c'est une astuce aussi pour pouvoir gagner un peu d'argent de poche. Cinquième astuce, c'est de se faire rémunérer en répondant à des sondages en fait. Il y a des entreprises en fait qui te payent juste pour que tu puisses répondre à des sondages. Tu vas pas gagner des milliers et des cents, mais tu vas pouvoir gagner de l'argent. Je te mettrai deux sites. Il y a le site YouGov, c'est vraiment un site qui est fiable parce qu'il existe depuis une quinzaine d'années. Tu vas être payé pour répondre en fait à des questions et en plus, tu seras aussi payé si jamais tu parraines des gens. Tu as aussi des chèques cadeaux. Je te mettrai le lien juste en dessous. Un deuxième site qui s'appelle Market Agent. Le même principe, d'accord, tu es payé directement sous 24 heures, ça fera un peu d'argent de côté, ça me fait plaisir, c'est cadeau les gars, faites-vous plaisir. Et ensuite, le dernier point qui est mon préféré, d'accord, en plus de faire de l'argent de poche, tu peux même aller à gagner 5000, 10000, 20000, il y en a même qui sont millionnaires grâce à cette stratégie, c'est de créer ton business en ligne. Internet, c'est le futur les gars, au lieu de déposer vos formations en ligne sur Udemy, créez votre propre plateforme, d'accord, créez votre propre business en ligne. Donc moi, j'ai une formation de 6 vidéos offertes où j'explique exactement comment créer ton business en ligne, c'est cadeau, c'est gratuit. Bien sûr, quand tu vas t'inscrire et que tu vas commencer à faire les formations en ligne, si jamais tu as apprécié, ben je vais te proposer. Non! Du coup, ça a coupé. Et je te disais, oui, si je me rappelle bien, évidemment, quand tu vas souscrire à la formation en ligne qui est offerte, moi, après, si jamais tu veux aller plus loin et vraiment créer un business en ligne qui te rapporte au moins un SMIC par mois, eh bien, je te proposais ma formation en ligne qui s'appelle Successful en ligne. Mais en tout cas, tu peux consommer la formation gratuite, tu pourras déjà commencer à mettre ton business en ligne en place, commencer à avoir des premiers résultats et au moins là tu diras ok, lui c'est pas un fanfaron, il connaît quand même. Et là après, je sais qu'il y a certaines personnes qui me feront confiance et qui achèteront la formation en ligne pour pouvoir générer du cash et un SMIC au moins par mois. Ça c'est le minimum. On est toujours en direct d'Atlanta, là il y a toujours les danseuses dans ces étoiles. Donc c'est là les gars, on reste déterminés et on lâche rien.